Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo. Nous allons parler statistiques et est-ce que CSGO est mort. Voilà, je vais apporter un maximum d'éléments. Nous sommes en période de major, donc on va parler statistiques, viewership, de quel pays, comment, pourquoi. Et je vais vous donner aussi mon avis personnel qui n'engagera que moi, bien évidemment. Et je pense que ça va vous aider aussi à vous faire une idée. Et n'hésitez pas à me donner la vôtre. Dans la description, vous avez mon site internet malekcsgo.fr dans lequel je référence le top matériel. N'hésitez pas à passer par là. Si vous voulez m'aider, je touche une commission en fait si vous faites vos achats par mon site, ça vous redirige sur Amazon. Et si vous avez des questions parce que vous hésitez entre telle et telle souris, que vous ne connaissez pas les différences, que vous voulez au mieux vous équiper, sollicitez-moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, parlons maintenant des statistiques et est-ce que donc CSGO est mort? Déjà en termes de joueurs, on le sait que CSGO n'est pas mort. J'ai déjà publié des vidéos avec des pics de joueurs en simultané quotidien à 1 million de joueurs. Donc on le sait que non, la data qu'on n'a pas, les données qu'on n'a pas sur ces joueurs qui jouent ou pas, c'est de quel pays ils viennent. Moi, j'ai la conviction, d'accord, parce que là on ne peut pas le mesurer, que CSGO est mort dans certains pays et pas forcément dans d'autres. En fait, on sait que CSGO progresse, mais CSGO progresse au Brésil, CSGO progresse en Russie, CSGO progresse en Turquie, mais CSGO pour moi est décédé dans plusieurs pays. En Angleterre, dans les pays nordiques, aux États-Unis, en France notamment, je pense qu'ils sont que là pour le coup CSGO est mort. Mais ça c'était un ressenti entre guillemets personnel. Maintenant je vais pouvoir baser ce que je dis avec des chiffres et là vous allez me dire ce que vous en pensez. On va parler désormais de ce PGL Major Stockholm 2021 avec les statistiques. Et clairement CSGO n'est pas mort, on réalise des records encore une fois lors de cet événement, sachant que la production n'est vraiment pas folle à l'heure actuelle, que nous n'avons pas de visuel de joueurs, on sait que c'est en LAN, mais on n'a pas de visuel de joueurs pour ce Major, c'est absolument horrible, donc aucun engouement, on n'a pas le visuel des joueurs, très peu de storytelling, on ne peut pas, entre guillemets, émotionnellement s'affilier à un joueur et donc s'attacher à un public, etc., et faire de l'interaction entre eux. Une communion entre le public et joueurs pro, et je pense que ça va jouer aussi sur les statistiques. Si tu vois ton joueur préféré, c'est sûr et certain que tu vas rester très certainement plus longtemps ou que tu vas avoir plus envie de les suivre sur Twitch. Et donc là, pour le coup, c'est mon élément de réponse. On est à 670 000, j'arrondis. 670 000 en pic de viewers et on a une moyenne de 480 000 viewers. Sachant que le précédent PGL, la finale qui était Vitality Navi, il me semble, c'était 15 000 viewers. Donc il y a une différence d'à peine 20 000 viewers, sachant que là on est dans des matchs de poule totalement horribles, d'accord, les match-ups c'est pas la grande folie, et on n'a même pas les visuels et la qualité de production n'est pas folle, d'accord, sachant, je le répète, hein, c'est même pas des match-ups de ouf. C'est le Major bien évidemment, mais comparons alors avec le Major précédent. Le Major précédent, les amis, le pic de viewers pour le Day One, et donc les matchs vraiment entre guillemets pas foufou, c'était 430 000 viewers. Donc on a déjà un gros pump de plus de 200 000 viewers. Et l'average et la moyenne d'heures regardées également. Donc là, on a des gens qui restent plus longtemps sur les streams. On a plus de gens qui sont sur les streams. Et la moyenne également est plus élevée. Donc clairement, CSGO va extrêmement bien. Mais alors pourquoi on s'entête à dire que CSGO va mal? Pourquoi on s'entête à dire que c'est... Parce qu'on le sait en fait qu'en France il est mort. Et c'est pareil pour les Américains, et c'est pareil pour les Anglais, c'est pareil pour les Allemands, c'est pareil pour les Espagnols, c'est pareil pour les Portugais, pour les Italiens, c'est pareil pour les pays nordiques aussi, qui délaissent de plus en plus Counter-Strike. CSGO est en pleine expansion, je pense, dans d'autres pays, tout simplement, et qu'il va pas si bien que ça, en tout cas, je pense, en Europe. En Europe de l'Ouest, les amis. Parlons maintenant de la langue, parce que j'ai des statistiques là-dessus qui peuvent donner des éléments de réponse. Les trois langues les plus parlées, les plus analysées, les plus mesurées lors de ce Major dans les chats sont l'anglais, le portugais et le russe. Ça veut dire qu'on a donc plus de 300 000 viewers qui parlaient anglais. Et après, on a 200 000 personnes qui parlaient portugais et 150 000 qui parlaient russe. Donc ça fait la quasi-totalité, la quasi-intégralité, hein, pourcentagement parlant, ça fait quasiment la totalité du viewership qui sont anglophones, russophones et portugophones. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bon, voilà, vous avez compris. Donc en gros, c'est communauté brésilienne, communauté russe et ceux qui sont anglophones, c'est une communauté internationale, donc ça mélange absolument tous les pays. Donc forcément des Portugais qui vont parler anglais, enfin des Portugais, des Brésiliens qui vont parler anglais, des Hispaniques, des Français également,
Et on n'a qu'à le voir, il n'y a que voir aussi les statistiques en France de Twitch, CSGO France pour le Major en tout cas. Les stats ne sont pas folles. Il y a même des gens qui accusent de bot viewers hein, pour les chaînes françaises. Ça, c'est pas bien. Donc moi, je m'en fiche. Je me retire de ces accusations. Je ne veux rien avoir avec ces problèmes. En tout cas, vous faites votre propre idée. Donc pour moi, CSGO, bien, pas bien. Je pense que oui, il y a de la migration, que l'audience française elle, s'est tournée vraiment sur Valorant. L'audience américaine s'est tournée sur Valorant parce que la scène s'est tournée là-dessus. Mais pour le coup, non, CSGO n'est pas mort, clairement. C'est juste que bah, il a changé géographiquement, il a migré ailleurs et que également la communauté le délaisse de plus en plus parce qu'il y a moins de contenu, il y a moins de joueurs chez qui on s'affilie, chez qui on va justement émotionnellement s'impliquer. C'est mon avis, voilà, c'est mon avis. Peut-être que j'ai tort. Donc moi, je m'entête à dire que CSGO est totalement mort en France, et clairement pas à l'international, et c'est toujours ce que j'ai proclamé haut et fort depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Je disais que CSGO allait très mal dans mes vidéos, mais j'ai toujours justifié le fait que c'était dans d'autres pays que ça allait très bien et qu'en France ça allait pas bien. C'était un ressenti que j'avais, je pouvais pas appuyer ces choses-là par des statistiques. Aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire. Bien sûr, on manque encore une fois de données, mais je pense que ce Major prouve encore une fois que CSGO va très bien et qu'il continuera d'aller très bien. Il bat des records, il est en constante progression. Je pense absolument pas que CSGO meurt ou qu'il va mourir, juste que dans certains pays, il va clairement y avoir des parts de marché qui vont être disputées, comme avec League of Legends et Dota 2, ou alors du StarCraft. Il y a des pays où on joue à fond à Dota et il y a des pays où on joue à fond à League of Legends. C'est clairement une question de parts de marché, comme, je sais pas moi, avec le football, la NBA, le baseball, etc. C'est des jeux qui sont joués traditionnellement dans tel ou tel pays et pas dans ces pays-là. Pareil pour le badminton, le tennis, le volleyball, etc. Il me semble que dans les pays asiatiques, ça joue énormément au volley. Le handball, pas exclusivement, mais beaucoup en France, en Espagne, mais pas forcément dans d'autres pays. C'est une question de choix, c'est une question de choix, de culture et de comment. Je vous le dis, je suis attristé que CSGO commence un petit peu justement à être en chute libre, pour moi, côté français, parce que historiquement, en France, on est un des plus vieux pays à avoir justement créé du contenu sur du CSGO. Quand je parle créer du contenu, c'est créer des LAN, des événements, accueillir des tournois, faire des LAN parties avec des grands salons de jeux, etc. Hein, ce format-là. Et donc, délaisser CSGO, qui est aussi un jeu historique et un des plus vieux, ça m'attriste en fait. Parce que j'aimerais garder cet héritage sur du long terme. Parce que si je pense à dans 10, 20, 30 ans, j'aimerais que justement la France continue à développer CSGO et peut-être l'e-sport. Je sais pas, je vois très très loin, je rêve de trucs de ouf. Mais je me dis qu'on est un des premiers pays à être dans l'e-sport et notamment avoir développé CSGO. Ce serait dommage que d'ici 10 ou 15 ans, le jeu soit totalement décédé, entre guillemets, dans notre partie de géographique et que dans d'autres pays, ce soit la folie à fond, qu'il y ait des écoles, des bars dans tous les sens, des hôtels de 40 étages full joueurs de CSGO et qu'en France, on n'est pas ça. Bon, je rêve, mais vous avez compris un peu mon état d'esprit. Je vous aime, laissez un gros like, des subs, des vidéos de YouTube, de likes, de commentaires. Abonnez-vous et à bientôt.